Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Marc. Bonjour Marc. Salut Emilien. Et on va donc parler Majorette, puisque si vous ne connaissez pas Marc, je vous invite à aller découvrir la vidéo de cette collection. Ça va, tu as à peu près 20 000 Majorettes. Ouais, un peu plus de 23 000 même, pour être exact. Et donc ça a bien grandi cette année, et on va découvrir le pourquoi du comment, puisqu'on va faire une petite rétrospective de l'ensemble des nouveautés qui sont sorties en France, mais pas que, de chez Majorette, en 2022. Et c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, hein, puisque tu as quand même agrémenté ta collection de beaucoup de nouveautés cette année. Et donc on va aller découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc on va débuter donc ce premier tableau par ce qui a été, ce qui est à trouver dans les rayons en France. Exactement. Et il y a quelques majorettes quand même. C'est vrai. Je trouve que le marché français a quand même été bien, bien gâté cette année, avec donc la présence de différents gift packs, 6 au total. Alors ici, on en a représenté 5. Donc on n'a pas mis le SOS France parce qu'il était déjà dispo en 2021 et donc c'était pas forcément une nouveauté 2022. Au rang des nouveautés 2022, donc nous avons le Dream Car Italy sorti en début d'année, disponible en France depuis quelques mois maintenant. Donc ça, c'était un coffret qu'on a pu voir aussi en Allemagne quelques mois auparavant. Il est dispo en France grosso modo depuis septembre. Moi, j'adore la Giulia, avec cette décoration, elle est magnifique. Et d'ailleurs, il y a Countach aussi, hein, qui est en couleur inédite jaune dans ce coffret. Hein. Tout à fait. Bon, par contre, la Alfa Romeo, c'est un petit réassort. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, mais avec le petit capot italien, c'est joli. Par contre, le russe, là, je commence à en avoir un petit peu marre de le voir. Alors, c'est vrai qu'il est disponible dans la gamme Racing, et bon, il a été reconduit, en fait, dans ce coffret. Mais ça reste quand même un coffret fort sympathique avec un marché italien qui est de plus en plus friand de la marque. Donc ça c'était le premier gift pack. Exactement. Donc ça on retrouve chez Jouet Club par exemple, surtout, j'ai beaucoup vu là-bas, chez Pickwick des fois de temps en temps. Oui, quelques enseignes également de la grande distribution. Ouais. Toujours dispo autour de 15 à 20 euros à peu près. C'est ça. Le deuxième, le Porsche 917, catalogue Carrefour de Noël 2022. Exactement. Immanquable, et puis pour un prix défiant toute concurrence. Oui, il y a 14 euros. 14 euros, et puis avec la réduction, on arrivait même à moins de 12 euros, une fois qu'on enlevait les 3 euros. On a également le Lightracer Gift Pack, qui est un pack donc, disponible en France, également en Allemagne. Il est également disponible à la boutique Europa Park. Ouais, ça, j'ai vu chez Carrefour de mon côté, chez Jouet Club aussi. C'est ça. C'est pas compliqué, c'est 5 modèles exclusifs, inédits, au niveau des teintes. Et ça fait un beau cadeau pour un enfant avec ce petit côté rasseur. Ça fait une sorte de limited edition, mais disponible que dans un coffret. Exactement. C'est un petit peu la surprise quand même, révélation de ce catalogue Majorette 2022. Il est apparu en toute discrétion. C'est vrai. Alors après, on attaque sur le best-seller 2022 avec la licence Volkswagen et le gift pack, les originales. Honnêtement, probablement une des plus belles réussites cette année. Avec une gamme Volkswagen qui a été, je dirais, le choix des modèles a été juste génial. Les exclusivités qui resteront des exclusivités à partir de 2022, c'est-à-dire que cette Cox blanche et ce T1 jaune et noir seront des exclusivités de ce coffret et ne seront disponibles que dans ce coffret. J'insiste lourdement. Parce qu'on rappelle que cette gamme Volkswagen, c'est un coffret. C'est aussi 6 petits blisters. Pour les modèles premium simples. Et je pense la nouveauté de l'année que beaucoup aiment cette année chez Majorette, c'est ce petit Volkswagen T3. Hein. Ouais, avec cette petite variante Westfalia. Et puis surtout variante, parce qu'il existe ici avec la version toit rehaussé. Toit rehaussé. Mais existe également avec le toit plat et la caravane dans la gamme trailer et une décoration safari. Donc on a les 4 trailers ici. On retrouve le T1 qui était déjà apparu il y a quelques années chez Majorette, qui a bien été réutilisé, mais beaucoup de nouveautés quand même dans cette gamme Volkswagen, puisqu'on a le T3 et on a aussi la Golf. Exactement. Et puis on a aussi des jantes qui ont été redessinées. Il y a eu beaucoup de travail sur les jantes, notamment des jantes Fuchs. Et moi, je reste quand même super fan. Et puis cette Volkswagen Golf qui, non seulement existe en version standard, mais également en version élargie, puisqu'il y a 2 carrosseries disponibles. Voilà, donc là, on est sur la Deluxe, c'est-à-dire châssis métal et boîte métal. Et pneus caoutchouc.
avec jante spécifique. Allez, elle est vraiment lourde. Hein. Donc là, c'est ta 22 967e voiture. C'est ça. Et oui, pour suivre un petit peu ce que nous avons dans la collection, on est obligé de les référencer. Voilà, donc ça, c'est un modèle bien célèbre, hein, puisque c'est celui qui a servi notamment pour toutes les photos pour la France, mais également pour l'Allemagne et l'international, puisque ces photos sont uploadés sur un drive pour l'usage pour tous les pays. Et mes photos sont faites au miroir maintenant. J'utilise une technique un petit peu plus pro, ce qui fait que les modèles sont super bien éclairés et les photos ont été réutilisées pour tous les médias dans tous les pays. Voilà. Moi, je suis fan en tout cas de cette série. Donc, c'est Volkswagen. Si on résume, on a le coffret de 5, les 6 blisters, les 4 trailers. Exactement. Les 6 Deluxe, ça, tout ça, c'est disponible en France, puisque le coffret est par exemple au catalogue de Super U Hyper U de Noël, 14 euros aussi. En promo aussi chez Carrefour, 14 euros. Donc Super U plus Carrefour, vous êtes forcément sûr d'avoir au moins un coffret original à côté de chez vous. Exactement. Blister chez Jouet Club, ouais. La majorité du temps. Leclerc, bon, ça c'est partout. Leclerc, Jouet Club, King Jouet. Plus compliqué, c'est les Deluxe, parce que c'est un carton qui est plus petit et en fait. Vu qu'il y a aussi la Golf, les gens vont plus l'acheter. Ça va partir un peu plus vite avec moins de réassort. Et on attend la référence. Si jamais on a des spécialistes qui nous regardent, on a une référence catalogue 2022 qui est aujourd'hui pas disponible dans les magasins en France. Non, qui est disponible sur le marché français via la boutique majorette.com. Alors c'est un choix qui a été fait pour la France tout simplement parce qu'en fait les modèles étaient disponibles en blister individuel et on arrivait sur un prix de coffret à plus de 10 euros. Donc le choix a été fait de ne pas commercialiser cette version. Puisque par exemple en fait ici sur ce coffret on a celle-là qui est en fait juste celle-ci, voilà, celui-là qui est celui-ci. Exactement. La petite différence c'est qu'on a un petit canoë kayak on et a... une petite planche de c'est ça. On a deux accessoires en plus. Bon, le choix a été fait de ne pas pousser sur ce type de produit. Mais bref, pour les amateurs, c'est disponible sur la boutique majorette.com. C'est donc disponible sur le marché, on va dire, français, puisque c'est la boutique officielle Majorette. Je mets le lien d'ailleurs en description, que là, des fois, des produits qui peuvent compléter votre collection si vous les recherchez. C'est géré directement par Majorette. Donc, vous avez quand même une sélection assez grande. Et on arrive au dernier petit coffret. Alors, le dernier petit coffret. Coffret français, cette fois. Voilà, tout à fait. Avec un clin d'œil, avec l'ancien logo Majorette sur donc la DS. Une version bleu, blanc, rouge. Hein. Et on retrouve à l'intérieur donc 5 modèles DS. Qui sont donc différents du modèle de la gamme vintage. À noter que la gamme vintage, le modèle est disponible avec deux versions de roues. Là, vous l'avez en version roue argentée. Et mais existe également avec des roues noires. Telles que sur le visuel. De la petite carte modèle livrée avec le véhicule. Là aussi, les modèles sont visibles en individuel sur le site de Majorette France sur Instagram. N'hésitez pas, avec notamment une très très belle photo d'un utilisateur, notamment pour la bleue, la version rallye. C'est à signaler. Il n'y a pas que mes photos. Je sélectionne également des photos quelquefois d'utilisateurs parce que y a quand même de la qualité. Donc on retrouve quand même cette année une grande richesse et une grande variété au niveau des modèles. On retrouve également donc ici la gamme premium en Racing et en premium cars. Alors la nouveauté Racing, c'est que depuis quelques mois on a l'assortiment qui est international qui arrive, le fameux, et qui possède cette petite 208 sans ouvrant. Parce qu'actuellement, en fait, la France, on n'avait que les modèles premium avec ouvrant de la gamme Racing. C'est vrai. Alors, avec une simplification également du blister, puisque ça, c'est le blister France avec une double coque, en fait. C'est-à-dire que le modèle est posé dans une coque en plastique qui lui-même est surbulée. Pour avoir la petite porte ouverte. Exactement, pour montrer que le modèle a des ouvrants. Et là, par exemple, on a la deuxième version. Et là, on a cette nouvelle version disponible en France depuis peu, avec ce petit tunnel, en fait, entre les deux bulles plastiques, et un modèle qui n'est plus surbulé, qui a moins de plastique, et qui probablement prendra le pas sur toute la collection. Je m'avance un peu, mais je pense que ça va être le cas, puisque aujourd'hui, on est quand même sur la réduction des plastiques dans les emballages. Et voilà, donc ça c'est un modèle qui arrive en France, qui n'est pas encore disponible, mais qui va pas tarder à l'être. Donc là, maintenant, d'un point de vue racing, chez Majorette, ça fait déjà quelques années, c'est comme ça, plus de développement de nouveaux moules spécifiques, mais réutilisation des dernières nouveautés avec des nouvelles décorations, et roulement plus courant, il y a plus de roulement, on va dire.
Ça peut varier parce qu'en fait, on a également la collection Racing Car WRC Deluxe qu'on n'a pas montré ici, mais qui est également riche en variétés. Je crois qu'on a 3 ou 4 modèles cette année qui ont été introduits. Et donc, la volonté, c'était... Alors, on a aussi cette petite... Alors ça, c'est un modèle qui était prévu déjà depuis 2020 et qui arrive en France seulement maintenant. Bon, il y a quelquefois des subtilités chez Majorette. Hein. Bon. On a fait un petit état ici de la gamme principale de Majorette, qui est quasi historique, et aujourd'hui la Premium Cars, celle qu'on trouve le plus, celle qui a vraiment connu cette année un véritable roulement en France, avec beaucoup de batchs différents, oui. Ce qui a amené beaucoup de nouvelles teintes, quasiment tous les nouveaux modèles sont disponibles, et en plus une disponibilité quasi en même temps que le reste des pays. Exactement. Et alors, c'est vrai que le dogme est toujours de dire une année, une couleur modèle. Cela risque de changer dans les années à venir, tout simplement parce que on le voit là pour cette fin d'année. D'ailleurs, il y avait déjà des images qui ont fuité sur l'assortiment, on va dire tampon, entre 2022 et 2023, d'un certain nombre de mises à jour de couleurs sur la gamme premium, avec notamment la Kia Sports Car qui sortira en bleu, ou encore la Volkswagen Golf 7 qui sortira en vert. Donc, ces modèles vont bien évidemment être distribués en France, mais là encore, on sera probablement sur des petites séries, tout simplement parce qu'il va y avoir des roulements, et donc ce sera l'occasion d'élargir sa collection avec plein de modèles différents, dans différentes teintes. Donc là, je les ai quasi toutes faites, hein. Je suis arrivé à la Supra. Alors Supra GT86, pour être sûr d'en avoir, il suffit juste d'aller chez Stockomani, hein, qui exactement. Est une des promotions actuelles, qui possède le plus grand nombre de, je pense, de Supra... Les GT86 Okata, deux nouveautés 2022 qui sont largement disponibles en magasin. Elles sont assez faciles à trouver. Ça, c'est une nouvelle teinte sur l'Urus. On va terminer avec la Mercedes qui est un dérivé de la version Mercedes qui avait été commercialisée en concession. Et déjà, la deuxième teinte de Volvo V90 en rouge. Exactement. Et puis, on ne peut pas parler de cette gamme sans oublier, bien évidemment, les modèles Rose Gold pour cette année. Donc, le premier modèle Rose Gold qui a été donc édité était donc le Land Rover Defender 90. C'est un modèle génial et super bien agrémenté entre une peinture noire mat et une peinture rose gold. Le second qui a suivi, c'est donc la Mercedes Classe A AMG 4Matic. Donc toujours avec quelques spécificités par rapport au modèle standard qui normalement est blanc. On le retrouve donc avec la peinture rose gold bien évidemment. Un vitrage un petit peu plus foncé. On retrouve également des roues ajourées avec des pneus gomme. Et bien évidemment, toujours l'ouvrant, puisque c'est une premium. Le modèle que les consommateurs trouveront incessamment sous peu, voire certains le trouvent déjà, c'est donc la Chevrolet Camaro, qui est donc le troisième modèle Rose Gold, limité, je le rappelle, à 5000 exemplaires. Ah, donc normalement, dans un carton de voiture premium, il y a 48 pièces. Non, 36. Alors, on a 36. Chaque modèle est dans deux teintes. Et chaque teinte est dans deux modèles, en fait. En fait, ce qui est simple, c'est donc que il y en a qu'une. L'assortiment, c'est 18 pièces. Donc, sur un carton de 36, on a deux pièces de chaque. Et donc, sur une Camaro, on aura donc, dans un carton actuellement, la Camaro noire et une rose gold. Et donc, la chasse est ouverte sur ce modèle-là. Et ce qui veut dire que la Camaro noire qui est avec cette petite gold est quasi aussi rare que la gold. S'il n'y a pas de renouvellement et s'il y a une petite variation de teinte, de jante dessus. On est d'accord. Maintenant, c'est vrai que la Camaro noire, elle est quand même relativement présente depuis le mois de mai l'année dernière dans l'assortiment. Et c'est vrai que elle est quand même relativement courante aujourd'hui. Le quatrième modèle Rose Gold qui arrivera donc probablement à l'horizon du printemps en France, puisqu'on a le décalage bien évidemment du transport, ce sera donc la Toyota GR Supra qui sortira donc en Rose Gold sur cette base là. Voilà. Donc on a fait les premiums, on a fait les petits trailers, on va partir sur une référence française tiens, qui vient d'arriver. Alors en plus ce sera une transition intéressante. La Street 15. Exactement. Donc on a ce modèle, ce coffret que je viens juste de rentrer, donc qui est la version French Cars, qui est une adaptation en fait pour le marché français, notamment de la Peugeot 208, qui était un produit très très réclamé par les collectionneurs français. Donc voilà, elle est bel et bien présente
dans le set, alors que le modèle était annoncé depuis mars l'année dernière. On y retrouve la bien connue Twingo 3 dans une teinte bleue avec du gris et du rouge au niveau de la décoration. On y retrouve également la Mégane RS Trophy, qui est quand même... une nouveauté de cette année. Hein. Exactement, enfin, année, et puis un best-seller, parce qu'en fait, c'est vraiment un produit qui disparaît vraiment très très vite des linéaires. Et celle-ci, je n'ai pas encore vu dans les magasins non plus. Hein. Alors, celle-ci arrive bien évidemment en vintage, blister, individuel. Et la bien connue DS4 verte. Alors, pourquoi est-elle dans ce coffret? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, on le sait tout simplement pour une histoire de licence, là encore, tout simplement parce que il y aura en 2023, et je ne dirai pas quoi, puisque je suis tenu au secret professionnel, un modèle DS qui rejoindra donc la gamme Premium. Et donc, c'est une occasion de garder en fait à l'esprit que la gamme DS est une licence acquise par Majorette et qui reste présente dans la gamme. Ah, ce sera pas une DS. Ce sera donc une nouvelle DS. Ce sera une nouvelle DS. Ah, on ne dira pas quoi. Exactement. Et donc ce petit coffret est disponible surtout pour le moment sur Amazon, sur la boutique Smoby, donc une boutique qui est gérée officiellement par Majorette France. Tarif imbattable de 9,95€. C'est ça. Avec livraison gratuite en plus. Exactement. Et ça nous permet de faire une petite parenthèse sur les modèles streetcars, puisque il y a eu une super opération cette année avec Action pour 6 coffrets différents de streetcars, disponibles pour un prix imbattable inférieur à 4€, 3,99€. Donc il existe 6 modèles de coffrets différents. Ils sont encore disponibles chez Action. Attention, les produits vont avoir tendance à s'épuiser, tout simplement parce qu'on arrive en fin d'année et que l'opération va s'arrêter pour le renouvellement probablement des produits. Je n'ai pas encore l'information officielle. Bon, on verra ce qu'il en sera. Toujours est-il que 3 véhicules streetcars pour 3,99€, c'était quand même... En plus, par exemple, il y avait la petite Audi A1, il y a un autre pack qu'on n'a pas ici, puisqu'on a quand même 6, qui est assez conséquent, ou la petite Opel Corsa, par exemple. Oui. La même que celle-ci. Cette année, donc, elle était disponible en rouge. Elle est donc présente ici sur la présentation. Et puis, on fait également une petite parenthèse sur la partie streetcars. C'est vrai qu'il n'est pas commercialisé en France en 2022, mais qui va revenir en 2023 sous des formes assez intéressantes. Alors, soit d'accompagnement, comme ce coffret 9+4. Voilà, qu'on rappelle que la gamme Streetcars n'est pas disponible en France dans sa version petite blister pour le moment. Mais en fait, on la retrouve dans tous les coffrets, dans les opérations spéciales. Dans les coffrets, par exemple, habituels, donc là, on est déjà au 9e. Hein, ça fait 9 ans, ça existe déjà, ce type de coffret, avec le petit assortiment qui est ici. Et comme à l'habitude, depuis 9 ans, la Limited Edition 2023 qui prend un petit peu d'avance en France, et uniquement en France, avec les 4 modèles, dont 2 qui sont exclusifs. Elle est magnifique cette petite Porsche. Disponible chez Jouet Club, comme d'habitude, surtout, et dans la plupart des rayons jouets. Exactement. Il ne faut vraiment pas perdre de vue que le produit, enfin les modèles qui sont exclusifs à ce coffret, 2 ne seront jamais édités en blister, c'est-à-dire la Mégane et la Porsche. Les deux autres seront disponibles soit dans le gift pack 5 pièces, mais disponibles pour l'Allemagne. Et probablement des gift packs proposés également pour l'étranger. Et donc rapidement, pour les collectionneurs, on passera quand même le sujet. Donc si dans la gamme Premium, on a les Rose Gold, on a aussi des chaises, donc des modèles plus rares qui existent dans la gamme Streetcars, qui cette année avait ce côté white and black. Black and white, avec un petit numéro 22 sur les portes. Voilà, cette petite Audi A1, la Hyundai aussi, et puis la petite Lamborghini. Oui, alors, toujours pareil, pneus caoutchouc, roues ajourées, peinture mate spécifique, intérieur mate spécifique également pour l'Audi A1. Donc ces produits sont disponibles actuellement en Allemagne et en Suisse notamment. Ceux-là viennent d'ailleurs de l'Allemagne. Voilà. Et de la Suisse. Donc, avantage de l'Allemagne, par contre, des inconvénients de l'Allemagne, c'est que chez Müller, la plupart du temps, c'est des références assez réduite, et donc la probabilité de trouver des chaises gold à l'étranger, on va dire qu'on a plus de chance en France quand même. Ouais, et on a plus de chance en Suisse également, puisqu'aujourd'hui en Suisse elles sont distribuées chez Migros, chez Manor, et notamment chez Manor elles sont facilement disponibles. Donc on va passer maintenant à ce petit coffret Porsche. 22 voitures au total, donc 20 qu'on connaît déjà, alors avec quelquefois des subtilités, avec des changements de roues pour certains modèles. Celui-ci donc est disponible également dans l'édition Porsche 2022.
celui-ci qui est une réédition en fait d'un modèle de 2018. Toujours bien sympathique de l'avoir. On y retrouve également la bien connue Boxster en version blanche, qui était déjà disponible notamment chez Jiffy. On retrouve également le modèle premium sans capote de cette version Boxster. Oui, j'ai toutes les teintes là. Tout à fait. On retrouve également la version bleue. Il me semble d'ailleurs que les jantes étaient dorées sur la version standard. Et là, ici, on la retrouve avec des jantes argentées, donc c'est toujours une variante supplémentaire. Et puis, on retrouve également cette version Racing. Voilà, donc ça, c'est pour les... Le premier pack. Le premier étage. Ensuite, eh bien, on retrouve la bien célèbre 934, issue de la gamme Vintage. En noir. Une petite GT3 RS. Ici, une petite rouge. GT3 RS. Avec nos agents. Non, c'est une version qui était disponible notamment pour le marché allemand, chez Müller. Effectivement. Voilà. Ici, on a la version exclusive qui était dans le pack 2020, fin 2020, début 2021. Voilà. Toujours sympathique de l'avoir également. On a également une réédition de cette 918. Je veux pas dire de bêtises, mais oui, c'est bien ça. Oui. 918 Speeder, avec donc de nouvelles jantes. Qui est la version de série. On rappelle que chez Majorette, on avait eu également le concept. Hein. Exactement. Avec une petite variation de moule. La bien connue donc version du Cayenne hybride. Ici on retrouve une autre version rouge, mais c'est pas tout à fait le même rouge, et des jantes donc dorées. Je crois que c'est un modèle exclusif d'ailleurs du pack Porsche du pack Porsche 2021. Et on retrouve encore la 918 Speeder avec de nouvelles jantes avec un liseré blanc. Voilà, donc c'est vraiment le set qu'il faut posséder pour avoir toutes les variantes. Ça fait une belle concession à la fin. Ah, exactement. Même pour un petit cadeau. On retrouve la GT3 RS toujours avec, alors cette fois-ci, l'aileron noir, puisqu'on peut également la trouver avec l'aileron bleu et ses jantes noires. On retrouve également la version de la Panamera en police avec de petits trous, avec le liseré argenté. On retrouve notre bien connu. Ça faisait longtemps, hein. Oui, mais celle-ci possède encore de nouvelles roues, puisqu'elle se retrouve avec les roues de la 934 2022. On retrouve également la GT3 RS. On retrouve ça en premium. Exactement, de la gamme premium. La version Speeder qui était disponible du coffret Porsche Edition sorti il y a 2 ans ou 3 ans. Je ne sais même plus d'ailleurs si c'est les mêmes roues. Ce sera peut-être à vérifier. La dernière, on est sur un modèle de luxe, mais qui possède des roues... Voilà, un modèle de luxe, toujours avec l'ouvrant, pas de capote, mais avec des roues exclusives. Donc, un modèle qui serait un petit peu différent. Et puis, deux petites boîtes originales. Et deux petites boîtes mystères, je dirais même. Le Mystery Box. Voilà, où on va retrouver eh bien, notre modèle 917 et Porsche Carrera 911. Voilà, deux modèles à posséder absolument. Et c'est encore une nouvelle variante par rapport au pack, puisque... Donc ça fait seulement 5 et 6, ça fait déjà 6 voitures. Ça fait déjà 6 voitures, effectivement. Pour les fans du Mans et de cette 917, bref, il y a une petite collection à créer. Hein. Voilà. J'insiste sur le fait que pour ce gift pack Porsche 917, il est impératif de l'avoir, puisque celle du milieu, la numéro 20, est une exclusive au pack et elle ne sera disponible... que dans ce pack. Et donc on a déjà une première nouveauté 2023 qui est connue avec la version Limited Edition 9. Exactement. En blister. Oui, qui sera en blister et qui n'est pas présenté encore ici. Les échantillons ne sont pas arrivés. Donc puisqu'on parle de boîte mix, de boîte mystère sans transition, on va évoquer rapidement la Tuneps. J'en avais déjà parlé en début d'année quand j'avais fait la petite vidéo de présentation des prototypes avec le Bronco. Donc là on a par exemple une référence qu'on peut actuellement trouver notamment chez Pickwick Toy Smith. C'est un produit qui est vendu aux alentours des 15 euros. Et donc, à l'intérieur, on retrouve donc deux modèles de la gamme Tuneps série 2. Donc ici, par exemple, on va retrouver le bien connu Lamborghini Urus, avec donc des jantes dorées, et livré avec deux packs mystères d'accessoires qui permettent de personnaliser le véhicule en fonction de son humeur. Okay. C'est-à-dire qu'ici, ben, on reconnaît en fait le kit avec les skis disponibles dans la gamme Tuneps. Voilà.
Hop, allez, donc on va équiper ce petit Urus. Et la possibilité d'un deuxième kit qui lui vous permettra donc de bénéficier en plus du kit qui permet de l'élargir un peu. Voilà, donc là disponible. Et comme vous aurez probablement beaucoup d'éléments à transporter, eh bien vous aurez la possibilité de mettre le coffre de toit version noire qui est assorti donc au châssis. Désolé, il est un petit peu dur à mettre, mais bon, on y arrive. Et donc tune-ups qu'on retrouve par exemple ici au niveau de la première série. Exactement. Voilà. Ils sont normalement dans ces petites boîtes qui existent aussi en série 2. Bah c'est tiens, ça. Elle est toute là. Oui. Tu veux pas tout déballer, Marc? Non, mais bon, voilà, la série Tune-Ups 2 est bel et bien disponible, avec donc tous les chips des modèles qui sont à l'intérieur. Donc ici, on retrouve la Mégane Trophy Racer, avec une décoration qu'on connaît déjà. Et puis le modèle super rare, quel Bronco, qui était donc une exclusivité et une nouveauté 2022. Qu'on devrait sûrement revoir, normalement, comme, j'imagine, la GT86. C'était quoi ? C'était une GT86 C'était une GT86 qui a d'ailleurs été réadaptée pour la gamme premium en 2020. Elle est là, tiens. Voilà, et ici, donc, on a le modèle HAC. Petit Bronco. Il va être beau quand même dans cette gamme. Avec une peinture assez technique, puisque... Ça serait beau, un petit coffret de 5 Broncos, comme on a vu pour le Jimny. J'espère que Majorette nous écoutera. Ah, il y a quelques nouveautés qui arrivent. Je ne peux pas trop en parler, puisque nous sommes encore en 2022. Alors, résumons. On a oublié la nouvelle gamme encore 2022, Volvo, puisqu'on n'a pas eu que la gamme Volkswagen. Il y a eu des nouveaux cette année. Alors ça a été disponible dès le début d'année. Exactement. Donc en France, quasi en mars, hein, il me semble. Oh, c'est février, même arrivé, février. Oui, février-mars, ouais, exactement. Donc un petit renouveau des petits véhicules de chantier. Toccata 2021, à vrai dire, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc avec cette gamme Volvo sous licence, disponible en coffret. On a aussi un coffret de 4 véhicules. On a aussi des petits blisters, et la marque est juste en train de détacher, on a aussi les véhicules longs. Exactement. Ça, une gamme qui a bien été distribuée au début d'année, et qui est quand même très agréable, avec des nouveaux ensembles routiers, nouveaux véhicules, nouvel emballage, et puis la licence Porsche. La licence Volvo, pardon. La licence Volvo, exactement. Voilà les petits blisters qui sont juste à côté. Et des blisters individuels. Donc voilà, pour trouver la série de 6. Voilà. Donc on a fait le tour de cette gamme 2022 Majorette. Est-ce qu'on a parlé de tout ? Effectivement, on a tout évoqué en dehors des petits sprinters. Ah, ça c'est encore peut-être une nouveauté 2023 qui arrivera. Donc ça c'est deux modèles qu'on peut retrouver chez Mercedes. Donc à commander en concession. Alors par contre ça coûte cher. Hein. Moi j'ai payé bien je crois 13,50€ pièce. Oui, pas donné. Donc voilà, collaboration entre Majorette et Mercedes. Après celle qu'il y a eu en 2020, 2021, en cassé à 2022. Deux petits Mercedes Sprinter, nouveau moule, avec une caisse Polizal et une caisse ambulance en plastique. On voit que le châssis est plutôt bien travaillé, qui possède aussi un attache remorque. Voilà. Ce qui augure d'un futur... Dans des gammes City, par exemple. Qui dit attache remorque, dit forcément remorque, logiquement. Exactement. Donc, il y aura effectivement des adaptations sur des modèles futurs. Catalogue 2023. Ça, je vais les replacer dans ta collection, Marc. Ils sont juste ici, comme ça, on va pouvoir voir la précédente collection Mercedes. Ouais. Donc, à commander en concession, mais il faut savoir que la plus grande majorité des concessions ont quelques modèles qui sont en vitrine. Hein. Donc ça, c'est souvent autour de 7€. Il y a des versions hyper sympas, hein, comme les GTR, par exemple, en jaune, qu'on trouve pas dans le commerce, ou la classe A, aussi, en version AMG. Et puis même celle-ci, est disponible. Elle a le toit noir, que n'a pas la version de base vendue dans la gamme premium. Ouais, c'est chez vous, les gammes vont changer. Ouais, et puis surtout, chez Mercedes, la moitié des refs est déjà épuisée. Hein. C'est probable. Hop, donc ils se mettent là. Donc ça, c'est deux petits Mercedes. Puisqu'on reste sur les nouveautés 2022, on peut aussi parler des bons plans 2022. Alors, la série PHG et la série FE qui sont disponibles actuellement chez Stoccomani à petit prix. Ouais.
D'ailleurs, le 89 pour la version petite news qui est juste derrière ici. Paris Saint-Germain. Alors, on peut pas trop parler de la version Paris Saint-Germain puisque la licence aujourd'hui est éteinte. Cependant, il reste encore quelques pièces disponibles. Ici, on retrouve. Ça, c'était les protos en fait avec le blister proto. C'est pour ça qu'il y a des trombones. Ce sont les blisters proto. Voilà, la SNK qui est dispo dans un assortiment de teintes. Exactement. Et ça, c'est également donc une richesse de ma collection puisque on est sur la découpe proto du blister avec les trois teintes qui existent pour ce modèle, toujours pour le marché asiatique. Et il faut savoir la petite spécificité en fait de Majorette aujourd'hui, c'est que 25% des licences des modèles sont asiatiques, 25% US et 50% Europe. On rappelle que la France est un marché de masse chez Majorette, puisque les productions asiatiques peuvent paraître plus nombreuses, mais sont souvent tirées à des petits exemplaires, on va dire, pour combler en fait les trous de production de masse pour l'Europe. Exactement, puisqu'aujourd'hui il se vend en France un peu plus de 4,5 millions de petites voitures. Que ce soit dans les gift packs, que ce soit dans les coffrets 9+4, voilà. Et également toutes les parties individuelles. Donc ça fait beaucoup de majorettes. Après, on a des fois certaines personnes qui critiquent par exemple de ne pas trouver ça. On rappelle que ça, c'est une exclusivité publicitaire, comme ce petit Crafter Jouet Club n'est disponible qu'en France que chez Jouet Club. Hein. Exactement. Et donc ça, les Asiatiques ne l'ont pas. Alors pour terminer, je pense qu'on va prendre la direction de Hong Kong. C'est par ici dans ta collection. C'est très large, effectivement. Alors, puisqu'on a connu les modèles Park & Shop, cette année, il y a eu une petite série qui est pour VLT. Alors, c'est une marque de thé glacé, hein. Ouais. Juste pour information. Donc, pareil, publicitaire du local. En fait, c'est comme si Vittel faisait en France une collab avec Majorette. Exactement. Moi, je reste quand même un fan inconditionnel de ce type de modèle, avec donc la petite planche de surf personnalisée au nom de VLT, un toit vert. Il y a vraiment un respect de la signalétique de la marque qui est faite sur le modèle. Donc, on a donc ce petit Jimny qui est proposé. On a également disponible ce modèle qui est donc le T1, je pense, au poids. Non, c'est la Cox. Voilà, avec donc des jantes sport et donc une déco vraiment très sympa. Et le petit combi. Et le petit combi pour le thé avec donc les ouvrants qui vont bien. Voilà. Moi je reste quand même un fan inconditionnel de cette version du T1 avec toujours le souci du détail puisqu'on a un plancher qui est réalisé dans une teinte un peu spécifique. Je fais juste un petit aparté sur celui-ci qui est quand même un modèle assez rare. Parce qu'il a été très très peu diffusé, donc si vous avez l'occasion de pouvoir le trouver notamment sur les marchés en ligne, il ne faut pas hésiter. Et on terminera juste avec le modèle Toast Vert qui était un Bronco, dans des couleurs en fait inversées par rapport à la gamme Tune-Ups. Bon, je pense qu'on a tout vu des nouveautés 2022, 2023 il y aura encore plus de choses. Et donc, on espère. Tu auras encore moins de place Marc pour ta collection. Alors petit aparté puisqu'on était en train de finir. On s'était dit qu'on avait oublié les Deluxe qui sont disponibles en France. Alors j'ai vu à plusieurs reprises depuis quelques semaines la Bugatti Chiron avec tous ses ouvrants, donc porte et capot et oscillation, le tout disponible en deux teintes puisqu'on a oscillation en bleu, la Bugatti Chiron aussi en bleu, un peu plus prononcé, bleu France. Oui. Et également on en profitera pour parler de la Taycan qui est un nouveau moule également qui est apparu il y a très peu de temps chez Majorette. Ici dans des versions publicitaires vaillants, principalement réservées à l'Asie. Oui. Mais il y a quelques exemplaires qui peuvent prétendre en Europe à éclaircir la raison du pourquoi. Oui, et puis après, bon, pour ce qui est de la Taycan, elle est disponible donc en rouge, bordeaux, en blanc. Et en safety car. En safety car. Ça, par contre, on la trouve assez facilement. Et dans tous les cas, le Vaillant, normalement, sera à retrouver puisqu'il y aura une petite nouveauté 2023 avec une remorque et une voiture de course, si je dis pas de bêtises. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter, évidemment. Et surtout à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore TikTok. Et également le tien, Marc. Oui, Majo Collector, bien évidemment. Sur Instagram. Et vous pouvez suivre également celui de Majorette France où j'officie. Et vous découvrirez au cours de l'année 2023 les nouveautés qui seront disponible sur le marché français. On se retrouve donc très bientôt sur Mininch. Allez, ciao! À bientôt!